Take it to the swamp, man. To the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump. To the bomb, they bomb. To the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump. To the bomb, they bomb. Clap, slap, jump. To the bomb, they bomb. Bully, bully, bully. Wella, wella, wella. A new acapella coming at you, fella. Ziggy, ziggy, ziggy. Shaka, laka, laka. Mr. Malaka with the new motherfucking rocker. Gitan, je rêvais enfant de vivre libre comme un gitan. Je voyais des plages de sable noir couronnées de chevaux sauvages. Et je dessinais dans mes cahiers des sentiers secrets, des montagnes d'Espagne. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 21e numéro de Promenade de l'Info avec ce concept. Un invité qui est présent du début à la fin de l'émission, deux chroniques qui entrecoupent l'interview. Tout d'abord, les questions décalées ce mois-ci avec Marie Plassard et le saviez-vous avec Sacha Bonnefête. Aujourd'hui, notre invité, vous l'avez vu sur plusieurs plateaux, je dis bonjour à Louis de Gouillon-Matignon. Bonjour Nicolas, ça va? Comment vas-tu? Bien? Bah écoute, ça va très bien. Alors, toi, tu es président de l'association de la défense Tzigane, c'est ça, je ne me trompe pas. Exactement. Et tu as sorti, il y a plusieurs mois, un dictionnaire Tzigane, et aujourd'hui, tu sors ce nouveau livre qui est sorti quand même déjà il y a quelques temps, mais c'est ton dernier livre, qui s'appelle « Gens du voyage, je vous aime ». Est-ce que tu peux nous expliquer ta première rencontre avec les gens du voyage? Est-ce que tu es un vrai passionné de cette culture? Ça remonte déjà un petit peu de temps. J'avais 15-16 ans, je faisais de la guitare, beaucoup de guitare, je faisais pas mal de métal à l'époque, et j'étais pas du tout dans le jazz. C'est grâce à la musique? Ouais, grâce à la musique totalement. J'ai découvert en fait une musique qu'on appelle le jazz manouche, qui est en fait un jazz français inventé par Django Reinhardt dans les années 30-40 avec le quintet du Hot Club de France. Et cette musique m'a donné envie d'aller vivre avec les gens du voyage pour apprendre à jouer davantage de la guitare avec eux. Donc j'ai commencé à aller dans des bars où est-ce que ça jouait de la guitare, notamment dans des bars assez connus comme la Chope des Puces à Saint-Ouen ou le Clairon des Chasseurs, place du Tertre. Et petit à petit, les gens du voyage naturellement m'ont invité à venir vivre avec eux. D'ailleurs, tu dis souvent que c'est ta seconde famille, les gens du voyage. Ah ouais, totalement, ouais. Tu pars en vacances avec eux? Bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Depuis 6 ans, je suis en totale, relation avec les gens du voyage. Ça fait, si tu veux, 6 ans que je les connais, que je parle leur langue, que je me suis investi auprès d'eux. Beaucoup d'amis, c'est devenu des amis, une seconde famille. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, moi, je passe du temps avec eux. Quand je pars en vacances, je les vois. Quand je suis en week-end, je les vois. Les semaines, quand il y a des fêtes foraines, je les vois. Vraiment, il y a une espèce de, une connivence qui s'est créée entre ce peuple-là, les gens du voyage, les citoyens français itinérants et moi. Alors, est-ce que aujourd'hui tu te dirais comme avocat des gens du voyage? On te voit sur beaucoup de plateaux défendre certains amalgames qui sont faits au niveau de cette culture, avec parfois quelques plaintes aussi contre des hommes politiques. Tu es le vrai défenseur. Ils le prennent comme ça? Est-ce que tu as des retours ils comptent sur toi, les gens du voyage, au niveau médiatique aujourd'hui? Je pense qu'une partie des gens du voyage compte sur moi. Je pense que l'autre partie se sent peu concernée par cette question, malheureusement. Ça, c'est un peu un problème qu'ont les gens du voyage. T'es un peu le seul, finalement. Bah, c'est ça. Je suis le seul et en plus, je suis même pas gens du voyage moi-même. Moi, je suis ce qu'on appelle un gadjo, c'est-à-dire un sédentaire. Je fais pas partie de cette communauté, je suis pas issu de cette communauté, je la connais très très bien, beaucoup me connaissent, je parle leur langue, le romani, mais je suis pas vraiment issu de cette communauté. Donc moi je joue ce rôle, mais à terme j'aimerais que ce soit des gens du voyage eux-mêmes qui jouent ce rôle, parce que c'est pas à moi de défendre leur communauté, c'est à la communauté de prendre son destin en main et d'avancer dans l'histoire et de promouvoir ses droits, promouvoir sa culture et enfin promouvoir son existence. Quand tu leur dis ça, tu leur dis ce serait bien un petit peu les gars que vous veniez vous aussi sur le plateau, comment ils réagissent? Tu le fais peut-être trop bien, c'est pour ça ils veulent pas se... Je te remercie, c'est que les gens en fait ont pas envie. Ils ont pas envie parce que dans leur histoire, ils ont toujours vécu un petit peu de façon autarcique, un petit peu en dehors du milieu contemporain urbain. Et c'est vrai qu'ils ont pas envie de prendre cette décision d'aller au combat et de se battre. Moi j'ai jamais vu de gens du voyage manifester, jamais. J'ai vu trop peu de forains manifester lorsqu'il y a des problèmes sur les fêtes foraines, etc. etc. C'est pas dans leur culture. Et malheureusement, aujourd'hui, ils doivent le faire parce que s'ils continuent comme ça, c'est un peuple qui va se faire avoir, c'est un peuple qui va pas pouvoir vivre sa culture et qui va ne plus pouvoir vivre librement. C'est pour ça que moi je les incite vraiment à se bouger, à aller vraiment rentrer dedans quoi. Et ben maintenant Louis, quelqu'un qui va interagir avec toi dans cette émission, elle s'appelle Marie Plassard et c'est les questions décalées. Bonjour Marie. Hello Marie. Salut ça va Nico.
Tranquillou. Ouais, très bien, et vous? Ça va. J'ai un peu peur, mais bon, ça va, ça devrait le faire. Tu vas poser à notre invité quelques petites questions décalées, Marie, c'est ça? Voilà. La première, c'est qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petit? Ouf, je voulais être soit astronaute, soit m'engager dans les ordres. Ah d'accord. Ouais, c'est spécial, hein. Ouais. Là. Bah, au moins t'as ta réponse. On en apprend des choses dans cette émission. Quelle était la rencontre déterminante pour toi ton parcours? Bah, j'ai eu pas mal de rencontres différentes. J'ai eu une rencontre très forte avec un forain qui s'appelle Marcel Campion, qui a la grande roue à Paris. Ça a été très très fort, notamment avec son fils Chris, où j'ai vraiment appris pas mal de choses. Et là dernièrement, il y a eu, je vais te dire en fait, je vais te dire un truc un peu inédit, je l'ai jamais dit avant. Dernièrement, j'ai rencontré Daniel Cohn-Bendit, et ça a été assez fort en fait, parce que j'ai compris un truc, j'ai compris que si tu voulais faire de la politique, si tu voulais militer pour tes idées de façon forte, il fallait le faire avec le cœur, il fallait vraiment se donner à fond. Et c'est lui ce qu'il a fait. Et moi, ça m'a inspiré, ça me donne envie aujourd'hui de changer un petit peu. T'as peut-être vu avant, j'étais triflé un petit peu comme un homme politique avec un costume et je parlais avec d'une certaine maintenant, façon. Maintenant, c'est la veste en cuir. Non, mais c'est vrai parce que je me suis rendu compte que je voulais donner une image avant et que ça me c'était pas moi quoi. Et aujourd'hui, je veux changer et je veux vraiment montrer qui je suis. C'est voilà. Lui qui t'a appris à. Ouais, c'est lui qui m'a donné cette idée et qui m'a entre guillemets montré comment il fallait être en politique et il faut être soi-même, il faut parler avec son cœur et non pas avec sa bouche. Non, mais c'est ça, et puis faut y aller quoi. Il faut y croire, faut rentrer dedans et faut pas avoir peur quoi. Et c'est ce que je fais maintenant. Dès qu'il y a un mec qui parle mal sur les gens du voyage de Cholet-Rome, j'agis en justice. Coup de tête, pardon. Non, mais c'est ça. Faut plus tolérer que des mecs qui soient des élus de la République, qui se disent gaullistes, qui se disent d'une tradition politique forte, tiennent ce genre de propos fallacieux et discourtois à l'égard d'une population forte de 350 000 personnes. Très bien. Quand tu te lèves le matin, quelle est ta première pensée? Ah, les gens du voyage. Avançons. Je bosse beaucoup. Quand je me lève, j'aime bien prendre un petit déjeuner avec ma mère. Alors je peux vous dire ce que je prends au petit déjeuner, je prends des mandarines, je prends des amandes, je prends un café, ça dépend, je sais pas. J'aime bien prendre le temps petit déjeuner, de passer un peu de temps avec ma mère, mon père part souvent travailler et je pense à ce que je vais faire aujourd'hui, je pense à qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour continuer à avancer. Je crois que c'est important de toujours se remettre en question et toujours vouloir avancer. Voilà. Si tu devais échanger une journée avec une personnalité politique, enfin publique. Il y en a plein. Bah Dany, moi j'aime beaucoup Dany. Ouais, Dany, j'aime bien des gens comme Augustin Legrand, les enfants de Don Quichotte, qui avaient installé les tentes sur le canal Saint-Martin. J'aime bien des militantes basses qui s'appellent Aurore et Émilie Martin. Le combat, c'est important d'avoir un combat. Ça donne un but dans ta vie, ça donne un objectif. Et je crois que c'est très important aujourd'hui d'avoir un objectif et un but. Merci beaucoup Marie pour ces questions décalées. On merci se retrouve beaucoup. Le mois prochain. Gros bisous. Ciao. À bientôt, au revoir. Merci. Quant à nous, on reprend le fil de notre interview. Et il n'y a pas longtemps d'ailleurs, tu es même devenu animateur et chroniqueur radio radio protestante. C'est ça, exactement, c'est ça, sur Fréquence Protestante. Fréquence protestante. Tu présentes une émission qui s'appelle Parcours Zigane. C'est ça. Alors est-ce que c'est cette station qui est venue à toi ou c'est toi qui leur a proposé ce projet? C'est moi qui leur ai proposé parce que en fait aujourd'hui, il faut savoir que la majorité des gens du voyage sont des chrétiens protestants. Ils se disent de la mouvance évangélique, ce sont des baptistes et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a vraiment une force au sein de ce peuple. Moi, je voulais le faire connaître et je voulais partager un petit peu cette croyance avec un plus grand public. Donc je me suis adressé à Fréquence Protestante. En fait, ils m'avaient interviewé dans un premier temps lorsqu'il y avait un grand rassemblement de gens du voyage évangélique à Gien. Et après, je leur ai dit pourquoi est-ce que j'essaierais pas d'animer une émission de radio. Alors c'est animé chaque mois, chaque début de mois avec des gens du voyage. C'est principalement animé par des gens du voyage. Il y a des chants, il y a des cantiques, il y a des prêches. Et c'est aussi moi, je parle un petit peu de l'actualité de Zigane. Je raconte ce qui se passe au sein de la communauté, les habitudes, les traditions, la culture. Et c'est un petit peu un panorama assez vaste de qui sont les Tziganes chaque mois sur Fréquence Protestante. Également, tu vas peut-être devenir un homme politique Je serai candidat en tout cas aux européennes en mai. Ouais, bien sûr. Pourquoi déjà cette candidature? Est-ce que c'est pour montrer tes idées au niveau de l'Europe finalement? Bah, si tu veux, les gens du voyage sont peut-être pas assez représentés au niveau européen, au niveau des décisions importantes. Je pense que l'Europe, c'est l'avenir de la France. Je pense que le dessin culturel de l'Occident, c'est la France et c'est d'abord l'Europe. Je pense que c'est important de construire dès maintenant l'Europe. Je pense qu'il faut engendrer une construction et une harmonisation au niveau des compétences, mais aussi au niveau historique, culturel, entre les différents pays européens. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je me présente. Alors, je suis pas sur une liste d'un parti politique. Je suis vraiment sur une liste ad hoc.
TikTok. Alors je suis tout seul, mais il y a pas mal de gens qui se sont alliés à moi. Ouais, bien sûr. T'as pas créé un nom Non, pour l'instant. Un nom particulier. Pour l'instant, on a pas vraiment réfléchi à un nom. On est juste des jeunes issus un peu de partout. Il y a des mecs du Parti Socialiste, il y a des mecs du Parti Communiste, il y en a d'Europe Écologie Les Verts, il y en a certains de l'UMP. Et en gros, notre message, c'est de dire on veut construire l'Europe fédérale. Aujourd'hui, la France ne peut pas avancer sans l'Europe. La France doit devenir un État fédéré au sein de l'Europe. Tu parlais de Daniel Cohn-Bendit. Oui, c'est un de ses combats, bien sûr. C'est un de ses combats. Ouais, bien sûr. Ouais, on peut pas, si tu veux. L'Europe, c'est nos frères. Moi, je me suis rendu compte de ça. J'ai eu la chance de voyager dans le nord de l'Espagne l'année dernière, et puis en Allemagne quelques fois, et en Pologne aussi, avec les gens du voyage, dans le cadre de voyages missionnaires. Je me suis rendu compte qu'en fait, les pays n'existent pas en fait. Ce qui existe, c'est l'Europe et c'est la culture de l'Europe. Ouais. On est tous frères. Par exemple, avec les Italiens, les Espagnols, même les Portugais, on parle la même langue. Les Anglais, les Allemands parlent la même langue. On a des régions fortes, on a une culture forte, on a une histoire forte. Il faut qu'on engage dès maintenant la construction d'une Europe fédérale pour à terme devenir fort sur le plan mondial. Voilà. Et ben maintenant, Louis, quelqu'un qui va tester un petit peu ta connaissance. Hein. Il s'appelle Sacha Bonnetête. Attention, hein. Alors ça va pas être un test de culture générale, mais c'est en tout cas notre rubrique, le saviez-vous. Salut Louis. Comment vas-tu, Sacha? Très heureux de te rencontrer. Ouais, ça va aussi. Bonjour, écoute. Sacha. Tu n'es pas heureux de... Bah oui. Oui, tu sais que la transition énergétique n'a jamais été un débat aussi important. Ouais. Donc pour le saviez-vous, c'est penché sur la question, puisque une prison au Brésil a choisi de produire, tenez-vous bien, sa propre électricité. Et le petit problème, c'est que c'est les détenus en fait qui pédalent sur des vélos qui produisent l'électricité. Et donc plus ils font de pédalage, moins ils ont de détention. Donc 16 heures de pédalage qui vaut à peu près à un jour de détention en moins. Moi j'ai juste un truc à dire, il y a la Coupe du Monde qui arrive dans pas longtemps après le Brésil. Moi la Coupe du Monde, je sens qu'on va s'amuser à arriver. Ensuite, tu sais c'est quoi une des formes de discrimination sur laquelle on s'intéresse le moins? Alors, pour toi, c'est justement, si t'es député européen. Une des discriminations à laquelle on s'intéresse le moins. Donc ça, tout bête. Non, je sais pas. Bah, c'est le racisme anti-roux. Ouais. On en parle jamais. Quoi? Le racisme anti-roux, bah, ça existe, ça? Ces mecs sont des ouf, quoi. J'ai montré que ça existe, puisqu'il y a une banque de donation de sperme qui a interdit aux roux de donner leur sperme parce qu'il est passé de l'air. Quoi? Voilà. Mais ils sont tous... Ouais, d'accord, ok. Non, mais c'est une... Tu savais? Non, non, je savais pas du tout, non. D'accord, ok, c'est pas... en Chine pour le saviez-vous, puisqu'un homme a attaqué sa femme en justice, tiens, sur le bon lieu, parce qu'elle a donné naissance à son fils, et le mec a jugé son fils trop laid. Donc du coup, il a... Oh là là. Alors bon, jusque-là, on se dit, ok, d'accord... Les mecs ont vraiment que ça à foutre, quoi. Non, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a gagné son procès. non, parce que c'est pas vrai. Non, si, Jing Feng a gagné, mais sans plus de 120 000 dollars de dommages et intérêts. Ah d'accord. Tu me trouveras le fondement juridique parce que ça m'intéresserait en fait. Allez Sacha, un peu de recherche. Je suis en Chine, bon, je ne sais pas exactement. Dernière info pour le saviez-vous, c'est pour vous, mademoiselle, c'est cadeau. Les hommes mentent plus que les femmes. Ah. Une étude très sérieuse menée par des petites... Elles vont être contentes, nos internautes femmes. C'est pour ça que je leur dis, c'est cadeau pour vous. Sacha leur prouve quelque chose. Attendez, les hommes mentent 6 fois par jour à leur partenaire, les femmes que 2. Voilà. Ah. C'est plus intéressant, qui voudrait t'intéresser. Bah ouais, ça non, mais c'est intéressant, faut le savoir quoi. Mais le truc des roues là, c'est fou quoi. Ça, j'avais jamais pensé. Toute forme le racisme, voilà, de discrimination, en tout cas, est à combattre, évidemment. Bah, merci beaucoup, Sacha, pour le saviez-vous. On se retrouve le mois prochain. Il est fidèle au poste, Sacha, tous les mois. Hein, depuis le mois de septembre, il est là. Et puis, il est au taquet sur ses facts. Quoi, parce que là, entre le chinois et les roues, là, c'est vraiment bien. Merci, Sacha. Merci, Sacha. Et bien, quant à nous, Louis, on va devoir se quitter. Hein. Et bah, écoute. Bah, oui, un promenade de l'info, c'est terminé. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.promenade-de-l'info.fr. Vous pouvez acheter Jean du Voyage, Je vous aime, c'est de Louis Gouillon, Louis Gouillon Matignon. Tout le monde, t'inquiète. Et c'est aux éditions Michelon. Ciao, bye bye. Merci, à bientôt, au revoir. Ciao, Nicolas.